Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Classified France 44. On continue notre aventure, ça se passe pas trop mal. Et je pense qu'on va essayer d'aller chercher un peu de support des radicaux en Haute-Normandie. Mais avant, on a certainement des trucs à faire ici. Donc déjà, au niveau des armes. On a débloqué un Bren MK2 assaut. Oula, il a un peu bugué notre pauvre Johnson là. Voilà, c'est mieux. Ouais, on regagne 5% de précision, mais on perd combien de dégâts? Presque plus de 1. Et on perd le ciblage, ouais, donc on va garder du coup notre barre bandit, je pense. Toi, du coup, t'as un Enfield numéro 4. On va te filer un Enfield numéro 4 ombre, tant qu'à faire. En corps à corps, on te file le couteau de botte qui est plus efficace. En secondaire, t'as un M911, bah on va te filer le tactique. Ce serait mieux avec un Webley en tant que tireur, portée effectif 5. C'est Johnson qui l'a celui-là. Ouais. Donne le Webley, Johnson. Tu vas prendre le tactique. Voilà, très bien. Alors, il a une blessure et un de fatigue. Il arrive avec une blessure et un de fatigue, le mec. Ça va, il est pas chier, quoi. Et du coup, tu vas prendre le pantalon. Hop. Il donne un bonus de couverture pour les Américains. Le chargeur camembert, c'est quand même sexy. Alors, on en a un. Ah, peut-être sur une des armes améliorées. Le barasso, là. Ouais, celui-là. Ouais, bah ouais, mais bon. On peut pas tout prendre, hein. Il y a quand même une certaine notion d'efficacité en plus de nos capacités, on va dire. Alors, Grog Johnson. C'était parti par là. On avait dit qu'on prenait le point d'armure. C'est plutôt excellent. Et après, plus de PV. Un effet de courage en se rétablissant d'un état d'abattement. Ouais, on va prendre ça. Hop, prends. Bah, du coup, t'as 7 points. Tireur d'élite. Donc on en a fait un sniper. Et re-l'astre. On va peut-être aller du côté des... Ouais, on va aller du côté du chasseur pour lui. Il est toujours aussi bien, ouais, je le trouve toujours aussi bien, effectivement. Est-ce qu'on peut prendre ça? Ouais. Rechargement automatique du fusil, c'est très bien. Il reste 3 points, plus 1 PA. Bah oui. Bah, j'ai envie de te dire, carrément. Et on va prendre le dégât du fusil, excellent. Là, on a un mec qui est capable de faire des gros gros dégâts. À l'ami, t'étais un peu à la bourre hein, sur tes niveaux, là. Big Ref... Comment se porte ton bonhomme? Alors ton bonhomme, il vient juste de revenir d'une cure de soins. Il a passé 4 jours à soigner parce qu'il était dans le mal. Et toujours aussi simple, la difficulté a augmenté. Non, la difficulté augmente. Clairement, on le sent. Il n'y a pas à chier. Peut-être prendre ça pour un point, c'est quand même pas mal. Hein, pouvoir interrompre automatiquement. Même si c'est pas trop dans notre chemin qu'on avait commencé à privilégier. Bélanger 10 au bonus de couverture, plus 1 PA. Bah, plus 1 PA. C'était question. Toi, t'as 3 points. On va pouvoir te prendre coup de sang. Si on reste des PA après avoir éliminé un ennemi avec votre arme principale, le tour se poursuit. Très bon. Et on peut prendre des dégâts en plus ou de la précision. On va commencer par la précision. Et non, on n'a pas eu de tank. Désolé à l'astre. Comme prévu, pas de tank.
Plus 1 PA, on prend. Et là, on a assassin level 2. Il faut 2 points pour ça, donc on va attendre. Là, tu vois, on en a une petite Thompson là, avec un petit chargeur de qualité. On pourrait prendre ça. Et on va chercher après le tir débilitant. Ouais, on va prendre ça. Allez, c'est parti. J'ai pas raté la mission, mais la mission donnait pas de tank. La mission, c'était de récupérer les plans pour éviter que les Allemands améliorent leur propre tank. Je te dis, hein, la mission, c'était pas d'avoir des tanks. Ça, c'était un espoir, ça, mais... on est là pour être le plus discret possible, on n'a pas de tank. Et dit, hein, c'est pas possible à la fin. ici, rien de nouveau. Et ici... Je pense que tu aurais vraiment réussi, tu aurais eu un tank. Peut-être, peut-être. On a un qui a un Nagant, je crois, déjà. C'est quel Nagant? C'est toi quel Nagant, King? Là, c'est le même, mais qui te donne plus de portée. Ouais. Mouais. 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 Déjà, on a une petite voiture. Et un petit camion. Franchement, c'est pas si mal. On va pas se plaindre. Du coup, représailles dans un jour, on a malheureusement pas de quoi les arrêter, donc ils vont nous emmerder ici. En termes de fatigue, ouais, on a deux personnes reposées, mais il va falloir qu'on y aille avec moins de points. Enfin, quoi que lui pourrait venir, Bélanger, là. Là, ça soigne toutes ses blessures, donc ces deux blessures-là comprises. Hein. On va peut-être y penser. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mission? Là, on récupère pas mal de... Pas mal de mines d'armes, et on est vraiment sur un truc assaut, là. Là, on fonce dans le tas. Ici, on obtient une chemise de maquisard et un calot de garnison. Alors, est-ce que les couleurs, c'est la rareté ou c'est le... Non, c'est en fait, c'est le peuple. C'est vert pour... Ah non, ça doit être la rareté bleue, il y a deux trucs. Point de vie et dégâts des armes à feu en plus, c'est pas mal, hein. La récompense, c'est pas dégueu, là. Et ici, c'est que des armes, mais on a vu qu'elles avaient rien de particulier. Et sinon, il y a le pont ici, ça a pas dû changer. Ouais, là, c'est de la mission avec juste deux trucs. Non, je pense qu'on va aller filer un coup de main aux radicaux, là. On va prendre King, Bélanger, Tremblay... Donc on a déjà un snipe, du coup on va prendre Alami pour qu'il rattrape un peu ses niveaux. Alors il va falloir protéger le camion, ok. Protéger au moins un stock de ravitaillement, protéger deux stocks de ravitaillement, tuer les ennemis rapidement. Et ben allons-y. Tuons les ennemis rapidement. On est comme ça nous. Il y a quand même des cartes qui sont vraiment sympas. Je sais pas si on peut... Ouais, je pense, parce que ça, c'est du... Celle-là, on l'a déjà eu. Bah oui, on l'a déjà eu, celle-là. C'était la première mission qu'on avait faite. We're in a pickle. Until the radiator is cooled, we're stranded. Take position and keep an eye out for Jerry's. Ah, du coup... tuer les ennemis rapidement, en 4 tours. Tour jusqu'à ce que le camion soit réparé. Ok, alors il y a quand même beaucoup de monde, hein. Est-ce qu'on a de quoi nous aider? On a une petite mitrailleuse, on a deux mitrailleuses, mais ils sont trop loin. Il faudrait qu'on attende qu'ils s'approchent un peu, mais ça pourrait être une idée. Là, pareil. Donc là, toi, c'est mitrailleuse. Toi, t'as la Thompson. Toi, t'as le fusil à pompe, et toi, t'es le sniper. Ok, donc le pompe, on va le mettre là. Et il pourra mitrailler quand il y aura besoin de mitrailler. Tu peux jeter tes grenades un peu plus loin, mais quand même pas assez pour shooter les deux là, donc pas la peine de l'user pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Tirer sur lui, l'affaiblir, ça me va, vas-y. Oh bah, ou alors tu le tues, éventuellement. C'est aussi une possibilité tout à fait acceptable. On va pas se mentir.
Les deux trucs à protéger, ils sont là. Derrière, on a une petite trousse de soins, deux trousses de soins si besoin. Là, on est déjà en position pour un tir de mitrailleuse. Mais ils sont trop loin pour un tir de mitrailleuse. Ah, on a une trousse de soins ici aussi. Très bien. Vas-y, toi, couverture sur ce côté-là. Toi, couverture sur l'officier là-bas. Toi, prépare-toi à allumer. Ah oui, et toi, du coup, tu peux tirer de nouveau parce que tu as réussi à éliminer un ennemi. C'est excellent. Vas-y, tente un 45 là, tant pis. On fait du dégât au moral, c'est déjà ça. Ouh, saloperie. L'ennemi approche. 34%, vas-y. Il est blessé. Excellent. Ah ouais, lui il y va quoi. Ok, alors du coup, toi t'as décidé de jouer au con. On va donc y aller à la mitrailleuse. Au moins, on fait des dégâts au moral. La voiture a survécu. C'est bien dommage. Et on peut faire un tir ici en plus. Oh oh, excellent. Bien joué, mec. Par contre, là, on a du 45. Et on pourra pas avoir mieux parce qu'il est planqué derrière sa voiture. Ou alors, on lui balance une grenade, on explose la bagnole et on explose lui. Voilà, ça c'est très bien, ça. Parce que le sniper planqué, là, il peut être extrêmement désagréable. Alors, toi, tu pourrais toucher celui-là, ou alors 20%. À 20%, c'est un peu faible. 53 ici, 34 là. Vas-y, tente de tirer sur celui-là. On lui met exposition, c'est pas mal, on a interrompu sa surveillance, et là on va tirer la mitrailleuse. Ok, on a tué 3 ennemis déjà, c'est pas mal franchement. On va faire une petite surveillance ici. Ah non, il est en récupération, il est au sol, zut. Il va falloir qu'on le shoot au sol. Tenez-vous prêts. Ok, tenons-nous prêts. Là, il est pas dans la portée du flingue. Et là, on peut y aller. Deuxième tir. Ok, lui, c'est fait. On en a tué 4. Excellent. Va recharger pour prévoir la suite. Et toi, magazine's almost dry. Là, c'est 50%. Okay. On lui a mis une hémorragie. Bon, il est brisé, il fera rien d'autre de toute façon. Là, ils arrivent quand même assez loin. Il nous reste que 7 points, donc je peux pas faire. On va couvrir la petite aile. Hein. Et toi, 54%, vas-y. Il a beaucoup de vie, donc il faut quand même qu'on arrive à le diminuer un peu, là, au bout d'un moment. Tous les malus qu'il a. Si on le touche, c'est petit coteau. Ok, parfait. Ça, c'est nickel. En plus, c'est un mec à la grenade. S'il nous chopait, c'était chiant. Ah, vache, c'est du renfort, hein. Globalement, ça arrive bien de ce côté-là. Alors le problème, c'est que c'est que des couvertures partielles, hein, nos petits sacs de sable-là. Hein. Donc c'est pas non plus oufissime, quoi.
Augen offen halten. Bon, tant qu'ils arrivent en face, ça va. Ici, on les voit pas, donc on va recharger. Là, pareil, on recharge. Ayami position. Oui, tout va bien. Calme-toi, mec. Il m'étonnerait qu'ils arrivent jusqu'ici, mais on va tenter. Non, ici, on a moyen de toucher les deux, hein, ne serait-ce qu'au moral. On va faire un tir de suppression. Excellent. Avec un peu de bol, l'autre va s'approcher suffisamment. Deuxième tir de suppression. Ils sont brisés, c'est pas si mal. Parfait, là on va pouvoir balancer un petit tir de mitrailleuse lourde là. Ça va faire plaisir. Vas-y, allume. Ouf. Ça lui est passé à côté de l'épaule, on dirait. Sur ce côté-là, on a eu 3 renforts et c'est le premier mec qu'on voit. Wilco. Yes. Roger. Ouais, il est planqué derrière l'arbre, le salaud. Can I help? En mouvement. Voilà, il est bien à découvert. On va tenter un tir critique. Excellent, comme ça on a assez pour faire une petite surveillance de qualité. Toi, tu mitrailles. Can confirm. Roger. Pas mal. My clip is almost empty. On va recharger. Et après, on allume le mec de derrière et les deux devant. Ouais, très bien. Allez, on en touche un, c'est pas si mal. Le seul qui a pas le moral brisé, il est à terre. Et on a un renfort de plus bonus. Excellent. Écoutez, si ça vous fait plaisir. Plus on tue de gens, plus on a des renforts. C'est légitime, hein. Là, ils vont arriver vraiment bien sur notre flanc, par contre, ça m'embête. Oh, lui, il a réussi à esquiver la zone de surveillance. Bon, là, on va se faire un... On va se faire plaisir à la mitrailleuse, là. Ah, quoique, lui, il est pas dans la zone. Et lui, il est dans un angle mort, je crois. Bon, on va quand même y aller. Ouais, c'est pas idéal. Ouh. Ça pique, putain, le coup critique ici, on l'a même pas tué, quoi, tellement il a de vie. Vas-y, recharge. Est-ce qu'il est dans la portée de notre mitrailleuse? Oui, vas-y, allume. Roger. Ah, les salauds. Alors lui, il est brisé. Morale 0. Ouais. Lui, par contre, non. Il a encore 3 de morale, donc il peut faire chier. Il est mort. That's a clapper. Il est mort. Oui. Alors là, on va se faire flanquer, mais déjà dans un premier temps, on va s'occuper de lui. On l'a pas tué, donc on perd nos points. Ok, enfin on perd nos points. On n'a pas de bonus de points. Ah, le mec avec son couteau, là, il est debout au milieu de la... Ah merde, depuis tout à l'heure. Il fait le taf, hein. Ouf, là il va falloir que t'ailles prendre la trousse de soin, toi.
Ah, ça y est, il y a du mouvement. Allez, encore deux tours. Toi, viens là. Commence par prendre le soin. Tu viens là. On a du 0% ici, mais on lui ferait quand même mal au moral. Et on lui mettrait une hémorragie. C'est pas si mal. Il perd un peu de points. Et là, du coup, 35. Et on voit personne d'autre. On va se remettre ici pour être un peu couvert sur le côté. On va se préparer à allumer. Ici. Parce qu'il y a peut-être un moment où on va réussir à se le faire, lui, là. Roger. Toujours pas. Il a tellement d'esquive, le mec, quoi. Au moins, il perd du moral. Ok, on a réussi à le shooter. Enfin. On va essayer de se faire celui-là. Donc là, on a des renforts, ils vont arriver pareil. Bien flanqués, malheureusement, probablement. Ah, ça arrive là. Hein. Lui, il est bien dans le mal là. On va faire une petite compétence de soin. Il est possible qu'on doive se replier. Mais avant, on allume. Enfin, on a réussi à se le faire celui-là. Par contre, toi, t'as que 7 points. Donc tu peux pas faire grand chose malheureusement. On va donc couvrir un peu. Ici. Vas-y. T'as 13 points, tu peux faire ça. Excellent. Toi. Tu vas d'abord recharger. Et après tirer. Comme tout à l'heure, tirer sur le mec qui est derrière. Il y a des munitions infinies sur ces mitrailleuses. Oui, mais elle coûte 8 P à utiliser, donc c'est plus cher que tout ce qu'on a, quoi. Ok. Le sniper, on l'a pas totalement immobilisé, mais il est quand même plutôt dans le mal. Toi, il te reste un point, tu peux rien en faire. Vas-y, attaque. Oh, raté. Ah, il a esquivé, le salaud. Oh, il va nous mettre un coup de pompe, là. Comment ça va? Hey. Les renforts, ils vont arriver sur le côté, là. Ça va pas être cool. Il faut qu'on se tire. Ok, très bien. Et bah écoutez, j'ai envie de dire. L'autre, il est en dehors de notre zone en plus. Par contre, on va quand même recharger. Quoi ? Pas de munitions non plus. Bon, ok, très bien. 65 sur lui, parce qu'il est croche. C'est pas dingue. Ce serait bien quand même de pouvoir allumer les mecs qui sont assez proches de nous. 41 seulement? Sérieusement? C'est vrai? Je suis un peu déçu. On va essayer de se débarrasser des mecs qui sont un peu trop énervés. Can confirm.
Ok, ça c'est fait. Replie-toi d'une un petit chouille. Toi, replie-toi un petit chouille. Prépare-toi à allumer ce qui voudrait passer. Ici, pareil, on va préparer à shooter l'autre s'il veut sortir. Ça arrive là. 31% seulement. Bah, attends. Ok, au moins on l'a brisé, c'est déjà ça. Ok, c'est le moment de se tirer là. Où est-ce qu'on peut aller? D'ici ici. Toi, si tu veux jusqu'ici, tu peux tirer. Non, 5, 5 c'est beaucoup, 5. Là, tu pourrais, là. Allez. Un petit coup de morale low sur le mec de derrière, c'est parfait. Encore des renforts. Et là, on sera à 50% si je me mets là. Ouais, c'est pas dingue. Hein. On va se replier là. Et on va lui balancer peut-être une grenade. Hein, c'est pas si mal, une petite grenade. Allez, juste histoire de lui baisser son moral pour qu'on ne poursuive pas. Ça me va bien. Ici, on recule. On peut s'enfuir carrément. On va pas totalement abandonner le flanc parce que... ça sent quand même l'arnaque. Moving out. In position. Toi, tu tires par-dessus les oreilles de ton pote. Allez, vas-y, tire par-dessus les oreilles de ton pote. I am in position. On est hyper serein. I am in position. Alors, lui, il va peut-être avancer. Formant. Il avance un petit peu. Alors, vous, vous êtes trop loin pour sortir encore. On va tracer. Magazine's almost dry. Moving out. Alors là, on est toujours censé protéger les deux trucs de ravitaillement, donc du coup, c'est un peu gênant si jamais ils sont détruits maintenant. Ils ont quand même pas mal de vie. Et toi, t'es assez proche pour pouvoir t'enfuir, donc tu vas continuer de couvrir ici. Prochain tour, on s'arrache. C'est long. Il convient tout à fait. Très beau ça. Allez, on se barre dans le camion. Oui, en mouvement. My clip is almost empty. En mouvement. I'm low on ammo. Moving. C'est quoi le loot dans les arrière-cours? Là, c'est des... ah, je peux pas te montrer parce qu'il a pas moyen de l'atteindre, mais c'est des petites trousses de soins. On voit, il y a un petit, une petite croix dessus, là. Des petites trousses de soins. J'imagine que l'idée, c'est que si tu te fais trop défoncer, tu peux te replier là, et puis t'as des petits soins, quoi. Allez, on monte dans le camion et on s'arrache. C'est bon parce que les bonus, c'est vraiment axé sur les objectifs. Hein. On peut tuer 0 ennemi dans la mission, si on réussit les objectifs, ça suffit. Quoi. C'est assez agréable, je trouve. Continuons. The resistance isn't a monolith.
factions run each region and snap and snarl at each other. The Third Republic may be over, but its politics reverberate amongst the partisans. Bélanger fears the radicals, says they're all dangerous Bolsheviks, but even he admits the students, the Jews, the communists, were first to fight. I've covered every angle and I say there's a reckoning coming. Unless London or de Gaulle gets this under control, these guys will turn on each other and we'll have ourselves a civil war. Alors, 48 de ravitaillement, ça fait plaisir. On augmente encore un peu les radicaux. Donc on a une mission d'avoir le maximum, donc on essaye de la faire. Donc avec eux, on peut augmenter ici le nombre de jours nécessaires au déplacement de l'ennemi est augmenté de 1, les missions confèrent 10% d'XP, ou les jetons ennemis n'augmentent pas le nombre de jours nécessaires pour accomplir une mission. On va ralentir les ennemis. Là, on va se prendre une représaille du coup, j'imagine. Ah. She wants in. I'm told that Lily Pierre here is a crack demolitions expert. Ah, deux femmes, excellent. Poison, ladies and gentlemen. Who shall we go get? Alors déjà, la représaille, là, j'imagine. L'arrivée de Chobiti. Donc on n'a plus le quartier maître, c'est chiant. Constitués de membres de divers services, les équipes de pilotage des opérations combinées organisent des raids clandestins le long des routes françaises, des côtes françaises. Débarqués en sous-marin ou à bord de petites embarcations, ils analysent les sites de débarquement allant même jusqu'à s'infiltrer dans les ports français pour effectuer des sondages de profondeur. Les informations qu'ils recueillent sont essentielles à la planification du débarquement. Putain, j'avoue, les mecs qui traversent la Manche en canoë pour aller faire des reconnaissances, waouh quoi. Lors d'une réunion dans une planque, un nouvel informateur nous a donné des informations étrangement bien détaillées sur des mouvements de ravitaillement allemands à venir. Il semble très nerveux et demande à être payé sur le champ. On va dire qu'on fait confiance aux criminels, mais il faut quand même se méfier. Hein. Donc ici, direct, on va s'occuper de réparer la région. Avec Alami. Et vas-y, pif. Go. Il va ici. Ça termine dans 2 jours. Donc la prochaine mission n'aura pas le bonus de récompense, du coup. C'est pas très grave. On a une conversation à faire. It's strange. There are no horses around this countryside. They have all been taken by the Bosch. The thoroughbreds are taken as cavalry remounts. The rest pull army wagons. Jesus, the Fritters just took them? Oh, they paid, but only a fraction of the price. That explains why the farmers have been so helpful around here. Some of them, but do not trust too easily. There are Vichists and collaborators everywhere. A few farmers are getting fat on selling to the Germans. Ok. Alors, ce qu'on a monté avec les radicaux, niveau 4. Comrades, let us facilitate your revolution. Il nous propose rien de plus, il faudra qu'on s'aille au niveau 5. Et ici, non, du coup, et ici. Ah, ici, on a débloqué la grenade à manche. Ça, c'est bon, ça. Par rapport à la grenade, ça fait un peu moins de dégâts, mais plus de dégâts au moral, et on peut la lancer plus loin. Un peu moins de dégâts, hein, ça m'embête un peu quand même. Fusil semi-automatique. Il me semble qu'on a chopé un... Une nouvelle carabine, non déjà là, oui. Carabine M1 cavalerie.
perd en précision combien? 5 quand même. Ah oui, on fout désorientation au lieu du ciblage, c'est quand même très fort le ciblage. Donc ce qui nous donne E, c'est quoi? Bienvenue. What can I tempt you with? Désorientation. Ouais, je suis pas fan de la désorientation quand même. On perd que 1% de précision, cela dit. On augmente nos dégâts. De 1 au moins. Ouais, ouais, on va peut-être la prendre quand même du coup. If they find British or Americans wearing French colors, they will call you a spy. Putain, on le prend carrément. We can stitch to whatever fit you need. La grenade, on va la prendre. Et on va prendre ça. On a tellement d'armes pour lui là. On en a qu'un pour l'instant. Un mec comme ça. Donc non, on va pas la prendre pour le moment. On va lui laisser sa M1 ombre là qui fait du ciblage. Et en termes de grenade, du coup. Ah oui, on fait 5 de dégâts au lieu de 7 quoi. Alors qu'on a des ennemis qui commencent à avoir. À être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus de vie. Mais après le 4 de rayon là, il est pas mal hein. On va enfiler une à l'astre, on essaiera. On va lui laisser une grenade numéro 2 et une grenade à manche. On verra ce que ça vaut. On a 4 personnes pas fatiguées, ça c'est cool. Pour la prochaine mission. Et du coup on a débloqué des fringues pour qui? Pour eux. Alors, quelle autre garnison? Donc là, t'as le casque qui donne de l'armure, toi. Tu peux avoir une récupération de morale. Ça va être pour toi, la récupération de morale. Et c'est les Français auxquels on a pris un truc qui donne un peu de blindage. La chemise de maquisard, un point de vie et un dégât des armes à feu. Là, on a coup du tir ciblé, moins 1. Ouais, ça c'est hyper intéressant quand même. Avec le fait qu'il récupère ses points s'il tue, on peut faire 2 tirs, se déplacer de 2 cases. Ouais, bon, après c'est pas ouf non plus, mais... Un point de vie et un dégât de plus, on a plus de chances de tuer. Ouais, non, on va lui mettre ça. Et la veste de l'armée secrète qui met de l'armure, ça va être pour lui. Avec sa mitrailleuse, là. Je crois que le tir ciblé serait pas mal aussi pour lui, hein. Moins 1, non, on va lui mettre du blindage. On va lui mettre du blindage, c'est plus mieux. Regarde vite fait s'il n'y a pas des petits points d'exclamation, mais non, c'est bon. Et au niveau des compétences, toi t'as tes 2 points, tu peux aller chercher 10 de bonus de couverture et 80% de chance de coup critique des tirs avec le tireur isolé niveau 2. Ouais, go. Et ça. Toi, t'as eu un point. Avec un point, tu peux prendre les dégâts ou encore 2 de portée à tes grenades. Vas-y, 2 de portée à tes grenades. Et après, on aura quoi? Point de creuse. Tous les alliés gagnent 50% de chance de coup critique jusqu'à la fin du tour. Le bonus est doublé contre les cibles prises à revers. Ah, pas mal. Tremblay, mon ami Tremblay. Tu peux prendre assassin level 2. Vas-y. Et 5 à la précision du tir rapide. Excellent. Toi, t'as tes 2 points, donc où est-ce qu'on va t'emmener, toi? Il n'y a pas beaucoup de tirs rapides, hein. On va t'emmener vers artilleur. On va pouvoir faire du tir de suppression, ça sera très bien. Et les autres, ils ont rien gagné de nouveau. Ok. Du coup... Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un de soutien, une jeune résistance qui a redoublé d'efforts pour faire passer des réfugiés hors de la zone occupée. Aujourd'hui, c'est son mentor qui est pris au piège. Ok. Donc c'est un truc de type embuscade. Et on gagne quoi? Des armes de base. Casquette de combat qui donne du moral et 8% d'esquive, c'est pas mal. C'est pas mal. Et l'autre, c'est quoi? Un assaut ici. Et on gagnerait un meneur.
Et là, du coup, on gagne un Thompson Hydre. 100 dégâts avec des balles perforantes. Et un fusil à verrou de base. Blanc de base. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Plutôt un meneur ou plutôt un soutien? Qu'est-ce que t'en penses, Chobiti? Sachant qu'ici, on gagne aussi de la... des radicaux, hein, ce qui est pas mal. Ouais, on va peut-être faire celle-là. On va plutôt faire celle-là. Essayer de monter avec les radicaux. Là, on a des petites blessures, mais 9 PV, ça reste acceptable. On y va comme ça. Allez, c'est parti. Allez, go! Ah, les petits sacs de sel autour du puits, rigolo. What? More Francis to the... Wait, you're not one of them. Introductions later. Help us protect these supplies. Ok, protéger les socs de ravitaillement. On doit en protéger au moins un. Il en a un là, un là. Ça a l'air d'être à peu près tout. Ok. On a nos 4 mecs. On a elle. Il est équipé okay, d'une carabine automatique. Et toi, t'as un fusil à pompe et t'es un Fabien Vernier de type. Un mec de type lambda. Mais il a un petit soin. Il n'a même pas droit à une image, non, exactement. Alors, du coup, avec un pompe. On a moyen de faire des trucs sympas si on vient se mettre là, mais il faut éliminer ça. Ce qui est quand même assez aisément gérable, je pense. Toi, t'as des bonus quand tu fais des éliminations au corps à corps. Est-ce qu'on a le mec qui fait des... Non, on a personne équipé 4 PA lorsqu'un allié subit des dégâts. Oh, pas mal. Est-ce qu'on peut caler une grenade sympa, là? On défonce pas la voiture si on fait ça. Mais par contre... Ouais, on va faire ça, on va essayer de... buter la bagnole, là. Comme ça, on va éliminer celui-là, on n'en parle plus. Toi t'as un Enfield, toi t'as un Thompson, vas-y viens te mettre là. T'es flanqué par quoi? Ah, par la voiture, ouais bon, ok, c'est pas très grave, on s'en mettra. Il est pas mort lui, hein. Putain, il résiste, hein. Toi t'as un bar. Niveau couverture, c'est pas non plus la teuf, hein. On va sortir le mec avec son pompe là. Parce que là on a un très beau tir. 74, 63, 20. Vas-y. Ouf. Très bien. Bien, bien, bien. Très bien joué. J'aime beaucoup. On se fout ici. C'est de la merde niveau couverture. Mais bon, est-ce que c'est mieux que pas de couverture du tout? Alors on se pose là. On peut grenader. Direct. On touche notre pote ici. On grenade. Allez. Voilà, comme ça c'est fait. Lui il est à terre mais il peut récupérer, très bien. Et toi du coup, tu peux tirer 60% seulement sur lui. Ah. C'est pas idéal. On se met là. Mais là, ça va siffler au-dessus de ses oreilles, mais il faut qu'on tue celui-là.
Non, on a raté en plus. Bon, toi. Qu'est-ce que tu peux faire de là où t'es? 81, mais tu fais du friendly fire. 54 ici, 38 ici. C'est pas ouf. Voilà. Too close, mind your fire. Avec un couteau, tu peux pas les tuer celui-là, non. Du coup, tu vas être beaucoup trop exposé là. On va essayer de se faire celui-là. Fait. Quand même, on a fait du dégât. Ils ont envie de se replier, ça me va plutôt bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouf, le salaud! Ça va se payer ça! Ça va se payer! Alors là on va faire un 50%, par contre on va allumer la demoiselle. Là. Ouais. Plus on a que 10% là? Non, 50% ça va être 10... non, c'est 10% pour elle. Ouais, bon, tant qu'à faire on peut la bouger avant. Quoi? Quoi? En mouvement. Vas-y, tu vas te mettre là comme ça, après tu pourras tirer au pire. Toi. Un moins. Là, le moral tombe, c'est pas mal. Si tu auras un 60% sur l'autre qui est planqué, ça me va plutôt bien. Désorienté, morale brisée, c'est pas si mal. C'est marqué sauver les camarades, pour l'instant on en a qu'un, on va peut-être avoir du renfort à un moment. Vas-y. Oh. Oh putain, cet échec quoi. Quand même. Merci. ...62%, 64%, allez vas-y, 64% ça me va bien. Ah mais non putain, je suis trop loin. Ouais, il va pas bouger en plus. J'ai trop bougé, je peux pas tirer. Le coup classique, je vais te dire. Dans ce métier, on a 65%, excellent. Et salut Edroda, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tout le monde, à tous tes viewers. J'espère que le live s'est bien passé. Ah, ils arrivent des deux côtés, les vilains. Ça c'est vilain. Tu étais sur quoi Edroda, dis-moi. Ça c'est une couverture lourde, ok, ça c'est une couverture lourde, excellent. Alors là, ils peuvent pas passer en vrai, il y a une petite fenêtre là. Reloading. Du PUBG. Je me suis toujours pas mis moi. Non, non, s'il y a la remorque qui me coince là. Du coup, on va plutôt te placer... Peut-être par là, non? Par ici là. Alors s'ils essaient de faire le tour par là, tu pourras te les faire. Est-ce qu'il y a de la victoire? Parce que PUBG, c'est pas... C'est jamais vraiment assuré, quoi. Ah, elle est condamnée, la fenêtre, là. D'accord. On peut commencer à prévoir une arrivée par ici. C'est de l'ordre du faisable. Toi t'as pas tiré, tu vas couvrir le tracteur. Grand classique le tracteur. Ça coûte que 1 de recharger toi, et ben écoute, vas-y. Tu vas te placer là, si jamais quelqu'un se pointe dans la maison on pourra se le faire. Et dernier,
c'est le mitrailleur. Vas-y, recharge. Tu vas couvrir l'avancée par là. C'est parti. Ah oui, il y a du monde en plus, la vache. Ils arrivent à 4, quoi. Tiens, t'apprendras à marcher dans mon jardin. Ah, il marche pas dans ma zone. Non. Ok. Donc du coup, il est un petit peu seul là, Coco. You want me? 35% de chance seulement là. Je vais lui mettre un petit coup de tranchoir. Vas-y, va mettre un petit coup de tranchoir. Il m'a défoncé le moral. C'est excellent. Ici, il y en a probablement qui vont. Tout est condamné dans les trucs. Donc, on peut pas les casser. Du coup, ils vont être obligés de faire le tour. Sauf s'ils traversent ici, mais on les verra. Ça veut dire que toi, tu vas continuer de couvrir par ici. Quoi ? J'ai bien envie de t'amener en renfort par là quand même. En vrai, tu serais mieux ici. Voire même là. Bon, mets-toi par là. Hop là. Ah bah du coup, tu peux avancer d'une case. Fais-toi plaisir. Ici. Au cas où il y a quelqu'un d'autre qui vienne, on va recharger. On va couvrir. Mais ça va visiblement se passer plutôt là-bas. Genre toi. Et toi, tu vas te préparer à aller soutenir ta copine. Pas mal. Ça, c'est de l'infiltration, par contre, où je me connais pas. Vas-y, allume. Ok, il est shooté au sol. Tracteur résiste bien. Ok, ici on va le finir au couteau. Voilà. Et on va progresser par là, voir un petit peu ce qu'on voit. Rien d'intéressant a priori. Il y a un mec en surveillance là, mais il a l'air d'être très loin. On va couvrir nous aussi. Ici. Est-ce que je me poserai là pour avoir une couverture complète? Je pense que oui. Donc ça, c'est la première vague d'ennemis. Hein. Il y a potentiellement d'autres ennemis. Là, on va mettre un petit coup de pompe dans sa mouille. Mais il est pas à terre. Hein. ...84, c'est pas mal. Bon, par contre, l'autre là-bas, il va nous emmerder. Je vois rien, donc tant pis, on couvre ce côté-là avec lui. On va se prendre un petit coup de coutel. Ah, ils arrivent dans notre dos. Les veules. Et re-squash belge, là. J'espère que tes cours se sont bien passés, du coup.
Il va falloir recharger parce que ça s'approche. Ouf, on a là. Ouh, il nous rate. Par contre, il a cassé notre ravitaillement, le salaud. Bon, il faut qu'on s'occupe du mec qui fait chier avec son... Viens là. Il te faut 6. Ouais, tu vas pas pouvoir... Ah, mais tu peux mettre un coup de couteau. Plus avec un coup de couteau. 3 et 5, ça passe. Ça se complexifie ou ça reste simplissime? Non, ça se complexifie carrément. On a déjà dû refaire une mission où on s'est fait totalement wipe. Et on a régulièrement de la blessure ou des gens au sol. Ouais. Ok, donc ici, il y a les enfoirés qui vont sortir là-bas. Si je vais là... Je pourrais faire une surveillance, ok. Donc on va faire une surveillance par là-bas. Avec le snipe. Ah la vache, on est juste un fou trop loin, quoi. Bon, tant pis. On va tenter. Ici, il faut qu'on progresse par là, parce que les autres, ils sont vilains, mais on n'a pas masse de couverture. Ok, on va défoncer le tracteur. Voilà. Wipe et tu n'assumes pas S-gameplay. Non, il n'y a pas de concept dans le gameplay. C'est juste qu'il te dit, est-ce que tu veux prendre une sauvegarde ou est-ce que tu veux reprendre la partie, c'est tout. Tac, 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 si je vais ici... J'aurai assez de points pour une couverture. Mais en vrai, t'es pas wipe, hein, tes mecs sont blessés, quoi, mais... Tout le monde se replie, en fait, sur tout ça. Allez. Bon, normalement, on devrait au moins éliminer ce qui va arriver de ce côté-là. Toi, t'es un petit peu plus dans le mal. On peut lui tirer dessus à 79%. Ah oui, 53. Ouais. C'est un médecin, lui. Vas-y, tente. Pas mal. Un médecin de moins. C'est toujours agréable. Putain, ils arrivent beaucoup plus sur les flancs que ce que je pensais. Vas-y, allume. Moi, tu l'as, pines, c'est déjà ça. Coucou. Target. Enemy sighted. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Bon, on n'a pas réussi à faire les deux stocks. On n'a pas réussi à éliminer la première vague encore. On n'est pas à portée pour un coup de couteau, là. Si on vient jusqu'ici, on a du 28%. 32%, là. C'est pas ouf, mais au moins on mettra du dégât au moral. Toi là, t'es pas hyper bien là. T'es pas hyper bien, on va pas se mentir. Tu vas venir ici et tu vas se faire un tir, je pense, dans l'alignement là. Excellent. Un mort, un moral brisé, c'est parfait. Toi du coup. Bon là on pourrait reculer parce que le ravitaillement est tombé. Éventuellement, on aurait du 20% là. Il y a beaucoup trop de monde là. Hein. Oui. Ça, c'est pas de la couverture, ça. Ah, on aurait un 65 sur le mec là. 66 sur le médecin. 64 sur le type derrière. On a quoi là déjà? 64 là déjà. 64 sur le médecin, on prend. Ok, joli. Faut que tu recharges, vas-y, recharge. Commencez par ça. Quelles sont tes possibilités, là? 50% 41, c'est pas mal. À la grenade, éventuellement. Trop loin. Ok, au moins on fait du moral.
pas, faut que tu recharges. Du coup, je peux te faire celui-là. Celui-là à 44, c'est pas ouf. Ouh, le petit critique, ça fait plaisir parce que là, on était un petit peu... on est un petit peu, comment dire, pris de flanc. Ouais, j'ai pas assez de points pour aller faire quoi que ce soit. Il nous reste lui, là, qui pourrait faire des trucs. Encore faudrait-il qu'il ait une vision. Donc là, t'es pas hyper bien, mais t'es un 66. Vas-y, allume. Ok, bon, on a fait tomber le moral. C'est déjà ça. Et toi, tu peux tirer sur le camion, ce qui ne nous sert à rien du tout. Vas-y, couvre par là, au cas où. Alors lui, il va nous faire chier. Aïe. Le moral qui tombe là. Ah, le pompe, on l'a senti là. Il va se soigner. Ça lui fait perdre un peu de tour au moins. Un peu de points d'action. Ok. Donc lui, il va passer son tour. Est-ce qu'on a notre... ouais, on a notre mec qui booste le moral, là. Vas-y. Debout. Réveillez-vous. Ok, là, faut qu'on aille se le faire, lui. Au couteau, peut-être. Non, pas assez de dégâts au couteau. 95%. 40% de critique. Il est brisé, hein, il n'est pas mort. Il peut encore faire chier. Quoi? 40% la grenade là, c'est pas ouf. Allez mettre un petit coup de couteau à lui. Ouais. On le flanque après. Sinon toi, t'as pas des masses de points. Il y a 42 sur lui. Ah, dommage, j'ai cru qu'on l'avait touché, mais non. On l'a brisé, c'est déjà ça. Là, il faudra qu'on progresse, mais ça nous coûte tellement cher de tirer. Allez, 44, ça peut passer. Ok, lui c'est fait déjà, ça fait un moment qu'il nous emmerde, c'est la première vague. Et du coup, on va se placer ici pour progresser un peu après. Là, faut que tu recharges. Vas-y, recharge. Alors lui, on peut pas se le faire... on peut pas se le faire au couteau parce que... il explose. Du coup, c'est problématique. On va se contenter de prendre un 0% pour le passer à 50% de morale, qui n'est que 6 points d'action. Temporiser un peu. Ici, elle a 16 points d'action, elle, la vache. On va plutôt privilégier lui, parce que c'est une bonne saloperie, les sapeurs, là. Wow. Et malheureusement un peu trop à la rue. Viens là. Vas-y, prends ton flingue. Ok, brisé. Alors notre pote a perdu un petit peu de morale, mais c'est comme ça. Ah, l'enfoiré. Purée. Ça, ça fait mal aux fesses. Hmm.
Kameraden zählen auf mich. Okay. I'm low on ammo. Alors, du coup, lui il nous flanque là, c'est ça? On va se mettre là du coup plutôt. Ah, tellement de vie lui, mais enfin un critique assuré. I am dry. I have to reload. 53 ici, 26, mais on touche notre pote. On va progresser. Allez. Ouais, c'est tellement de vie, les enfoirés. Ici, est-ce qu'on peut les mettre un coup de couteau à l'autre? Non. Donc, coup de couteau là. Voilà. Oh, ça c'est fait. Et du coup, on aurait besoin, bien besoin d'un peu de renfort par là-bas quand même. Ici, on va venir là. Avec nos 3 points, on va couvrir si jamais il veut avancer. Si, est-ce que j'ai moyen d'avoir un angle? Pas moyen de le voir, l'autre qui est planqué derrière, là. On va couvrir un peu plus large, là. Si jamais il essaie de passer ici pour caler un coup de pompe sur notre copain qui est à l'ouest. Vas-y, mets-toi, bah, mets-toi même ici. Allez, shoot. Ok, on l'a brisé, ça c'est beau. Raté. Dommage. Lui recharge. Très bien. Il a que 6 points, donc il fera rien d'autre. Ah si, il est capable. Ah, ça coûte 1, c'est vrai, le fusil à pompe. Putain. Lui, il va se re-soigner. Et il je sais pas quoi. Ok, là, on a une grenade obligatoire. Qui a une grenade dispo? Toi, t'as plus de munitions. Toi, t'as une grenade, là. Et il explose lui en plus, donc il fait des dégâts à son pote, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Recharge, l'autre qui est debout au milieu de la pampa, là on va le défoncer. Coup critique automatique. Je crois qu'il restait un mec là, ou c'est lui qui est couru jusqu'ici. Ah, il y a des trousses de soins après là qui vont peut-être nous aider un peu. Lui, dans un tour, il se relève, il sera blessé, mais il sera en vie. 65, 95... Ah, mais c'est un mec qui explose, faut pas que je vienne aussi près. Viens là. Et boum! Ok, on va progresser avec notre snipe. Histoire qu'il soit un peu placé au milieu du champ de bataille. Toi, tu vas recharger au cas où il y a une nouvelle vague. Et après, tu te replies. Là. Toi, t'es bien là où t'es. Bon, lui, il est brisé, il va rien faire. Allez, toi. Vas-y, prends la petite popo. Et après, t'as le droit de recharger et de te venger. Ton dernier point. Ouais. Costaud celle-là. Bon, on a perdu un truc de ravitaillement. JCVD, il est fier! Parce qu'on est plus sûr de l'héroïque, quoi. Thompson Hydre. J'aime ce nom. Ah, on peut donc aller au-delà du niveau 10. Cool.
On accepte. I am Anna Martino, and I am a Maquisard. 4 years ago, I was in school when I heard my father, a sous-lieutenant in the army, had been captured. It was a year before we heard from him again, in a letter smuggled out of a labor camp in Bavaria. That was when I joined the Partisans. It took time before I was trusted. I acted as a courier and a lookout. I kept a safe house for the Armée Secrète. Then one day, the chef de groupe gave me a rifle and instructed me in its use. I took to the hills and became a Maquisard. I became a fighter. Ok. On va pouvoir booster encore un petit peu les radicaux. En plus, on passe level 5, c'est excellent. Donc on avait commencé à travailler sur la Haute-Normandie, on va continuer. C'est parti. On augmente un peu là. Eux, ils vont ici. Ok. Faire des représailles. Très bien. Ici, on devrait réparer. It's chaos in this region. Anti-partisan forces have started a sweep and clear operation. Donc on récupère notre petite récompense bonus. Et ça, ça fait plaisir. Ok, tout s'est passé. Narnius lui dit c'est juste un tour de santé quand un mec tombe au sol. Alors qu'en fait, quand un mec tombe au sol, que ce soit nous ou les ennemis, certains ennemis qui peuvent être ressuscités, ceux qui sont un peu avancés, ils restent 3 tours au sol. Ils peuvent, donc s'ils se reprennent une attaque pendant ces 3 tours, ils sont finis. Au bout de 3 tours, ils se relèvent, mais ils ont une blessure. Et si jamais ils retombent au sol, ils sont immédiatement éliminés. Et si jamais on relève un mec au sol avant les 3 tours, il est relevé instantanément, mais il a quand même sa blessure, et s'il retombe au sol, il est éliminé. C'est comme ça que ça marche. Alors du coup, on est passé level 5 avec eux, et on va pouvoir acheter un béret pour Anne Martino. Allez, vas-y, hop, prends un petit béret. Alors, tu parlais pour la fin de bataille entre deux combats. Ah! Ça fait une blessure comme ça, ouais. Donc après, bah, tu choisis de la garder ou de la faire soigner. Ça coûte 4 tours de la soigner. Ça, c'est quoi? Un fusil de chasse. Ce qui serait un peu mieux que celui qu'on a. On booste les dégâts, on booste les dégâts au moral, on booste les 95 de précision. Ah oui! Carrément. Je vais le prendre. Now point that towards the oppressors. Un fusil semi-automatique. On perd en précision, on augmente un peu les dégâts, on met de la confusion. Elle débute son tour avec 0 PA. Je préfère le ciblage quand même. American uniform. If you're not a Yank, they will shoot you as a spy just for wearing it. Un pantalon qui donne un point d'action. Comment te dire que oui? French uniform. British or American Scott wearing this will be shot as spies. Ouais, on va le prendre celui-là. Par contre, on n'a plus beaucoup de ravitaillement, donc on va se calmer. Faut qu'on ait de quoi faire des événements impromptus, si besoin. Et on a un petit papotage. C'est parti. Vincent, it's uncanny the way you sniff out crowds. Are you part hound dog? It's the scent of pink disinfectant and black rat. If you're downwind, you'll pick it up at 200 yards. Jesus, I was just joking. You can really smell them? It's distinctive. Well, so. Sort of sickly, pungent. I'd know it anywhere. My sense of smell was the first casualty of the war. I blame army food. Très bien. Plus que 37 jours avant le jour J et on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Mais si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à profiter des codes de réduction si vous souhaitez acquérir le jeu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!